Chez Cospirit Media Track, nous avons l'honneur cette année d'avoir vécu de très belles consécrations. J'y vois la récompense de tous nos efforts, nos batailles, de tous nos partis pris. Le premier événement positif de l'année 2021, c'est celui d'avoir regagné le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, qui est notre plus ancien client avec déjà 15 années de collaboration. Notre partenariat se poursuit pour au moins 3 années de plus. Une telle longévité dans nos métiers, c'est un événement marquant et une fierté pour moi et les équipes. Mais indéniablement, le fait marquant pour l'agence, mais aussi pour le marché, est le gain d'Aldi France, 15e annonceur français à ce jour. Ce qui semblait totalement impensable hier sur le marché est devenu réalité. Une agence média indépendante française remporte l'un des plus gros annonceurs français. C'est pour l'agence une immense fierté, une fierté pour les équipes évidemment, mais c'est aussi un signal très fort pour le marché, un signal sans précédent qui ouvre le champ des possibles pour toutes les autres agences indépendantes. Par ailleurs, Cospirit Media Track est sur une incroyable dynamique. Le lancement cette semaine de Cospirit Commerce, l'agence du retail média omnicanal. Le premier prix Kantar Worldwide il y a 3 semaines pour une étude innovante imaginée par notre agence et co-développée avec Kantar. La création d'un collectif inédit, les relocalisateurs avec 366, JC Deco, France Télé Publicité et Adot. Comme vous le savez, notre approche depuis plus de 3 ans, déjà fort de 27 ans d'expérience et de connaissances fines des territoires. Puisque notre approche, je le rappelle, la France de votre marque, passe au prisme chacun des territoires pour définir les stratégies médias des annonceurs. En effet, les comportements d'achat, les us et coutumes de la consommation sont différents d'une région à l'autre. La communication nationale doit prendre en compte ces disparités territoriales et jouer la complémentarité nationale-locale. Et pas du natio puis du local, mais bien partir du local pour limiter la déperdition, gagner en précision et augmenter l'efficacité des campagnes. Et l'enjeu de valoriser l'ancrage local, puisque c'est aussi la mission que nous nous sommes donnés avec les relocalisateurs, car on parle beaucoup aujourd'hui de relocalisation industrielle, et pour nous, l'enjeu est la relocalisation média et la dynamisation des territoires. De l'Hexagone bien évidemment, mais de l'ensemble des régions et des départements et communes qui le composent. Valoriser les investissements médias sous l'angle du local permet aux annonceurs de dynamiser les économies locales en y renforçant le pouvoir d'achat des consommateurs sur des territoires qui sont aussi dans leur zone d'influence ou leur zone de chalandise. Enfin, pour terminer, il n'y a pas de petites ou de grosses agences, il y a l'agence qui vous correspond. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. N'ayez pas d'a priori, vous seriez surpris. Conviez les agences médias indépendantes dans vos compétitions.